Bonsoir tout le monde. On se retrouve avec un reste de pâte brisée quand j'ai fait ma tarte aux pommes dimanche. Donc nous sommes lundi, mais quand je vais vous poster la recette, on sera peut-être pas le bon jour, mais c'est pas grave. Donc c'était une pâte brisée sans sucre, sans épices. Voilà, je la voulais neutre car je ne savais pas ce que j'allais en faire. Donc là, j'ai plein d'éléments de reste de raclette. Pommes de terre sous vide, fromage à raclette sous vide. Copa. Voilà, avec tout ça, et ben on va faire une tarte. Alors je vais étaler ma pâte. J'ai mis des petites roulettes de 2 mm. Voilà, pâte à tarte brisée 2 mm. Alors là, je prends pas de moule. Je vais faire une tarte rustique, on va dire. Donc j'étale ma pâte et on se retrouve. Voilà, ma pâte a étalée. J'ai essayé de faire un au maximum un rond. Mais une tarte rustique veut dire ce que ça veut dire. Rustique, c'est comme ça vient. Donc, je vais la faire sur ma toile pain, évidemment, comme toutes les tartes. Hein. Je dépose ma pâte sur la toile. Parce que là, il n'y a pas de moule, rien du tout. Voilà. Je vais donc y mettre au centre de la moutarde, parce qu'il faut quand même un petit peu de. Faut quand même relever un petit peu les pommes de terre qu'on va mettre dessus. Alors je laisse un tour au moins de 3 cm. Voilà, j'étale ma moutarde. La moutarde est étalée, j'ai coupé quelques pommes de terre en rondelles que je vais disposer sur la moutarde. Voilà, je vais faire tout le tour, enfin je vais remplir tout le centre. Voilà, j'ai mis 4 petites pommes de terre environ. Avec mon ciseau de cuisine, j'ai coupé déjà 6 tranches de copa. Mais avant, je vais mettre un petit peu de fleur de sel sur mes pommes de terre. Voilà, et un petit peu de piment d'Espelette. Les pommes de terre comme ça, bon, c'est un petit peu fade malgré tout. Et maintenant, j'y dispose mes petits morceaux de copa. Mon four est préchauffé à 180. J'ai donc mis 7 tranches de copa. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être de la pancetta, du bacon, ce que vous avez après votre fin de raclette. Maintenant, je dispose des tranches de fromage à raclette. Bon, là, j'ai enlevé la croûte. Hein. Des fois, je la laisse, des fois, je l'enlève. Enfin. Donc, je vais en mettre. J'en remets encore une. Ça fera 2, 4, 6 tranches. Alors, il va m'en rester encore un petit peu. Voilà, encore un petit peu de copa, un peu de fromage, mais c'est pas grave, ça va servir pour une prochaine recette. Une fois qu'on a fait ça, on remonte les bords sur le fromage. Voilà, donc c'est pour ça, même si elle n'est pas bien droite, c'est pas grave si mon cercle n'était pas droit. J'ai mesuré quand même, il faisait 26 de diamètre, pour se donner une idée. Hein. Mais nous, on n'est que deux, alors c'est largement. Voilà, bien appuyé. Voilà, on met un petit peu d'origan sur le bord de la pâte. Voilà, elle est prête, ma petite tarte à l'ancienne. Donc ça part pour aller 30 minutes à 180, je pense. On se retrouve après. Regardez ce que je fais avec le reste de mes 4 pommes de terre, de mes 4 tranches de fromage et de mes 3 tranches de copa. Je mets ça au milieu de mon plat de grillade de standard. Je ne l'étale pas sur toute la longueur parce que j'ai pas beaucoup de pommes de terre. J'ai mis les 3 tranches de copa coupées en morceaux. Je rajoute mon fromage à raclette. Même si ça coule sur les bords, c'est pas grave. Ça va être un peu grillé. Voilà. La tranche du milieu, je vais la couper en deux. Voilà. Là, ça fait une grosse raclette, en fait. Ouais, pour deux, c'est bien. Voilà, ça va partir au four. Allez, je pense
10 minutes après le bip de préchauffage, et encore, il n'y a pas besoin que ce soit doré, mais fondu. On ne gâche rien, il y a toujours une solution à un problème. Regardez, elle n'est pas belle ma petite raclette? Écoutez ce bon fromage qui croustille. Voilà, déjà, notre petit plat est prêt pour ce soir avec une salade. Bon voilà, la petite tarte rustique après 40 minutes. Le temps que le fromage dore un petit peu sur le dessus, 40 minutes à 180. Voilà, regardez, et ça tient. Hop. Donc là, ça sera pour demain. Le repas est déjà à moitié prêt. Ça sent bon. Et voilà, ce soir, on a mangé notre petite raclette. Il n'y en a plus. C'est vraiment très pratique comme ça à manger. Et trop bon. Voilà, voilà. On se retrouve pour une prochaine recette. Hein, voilà, je ne sais pas quoi encore, mais ne vous inquiétez pas. Les idées viennent toujours en allant. Alors, si vous aimez ma recette, ben, mettez un petit j'aime et partagez. Allez, bonne soirée à tous. Oh, je viens de couper ma petite tarte en deux. Regardez comme c'est bon dedans. On voit bien les pommes de terre, le fromage, la petite copa. Bon, ben voilà. Allez, ça sera pour demain avec une salade. Et je pense que déjà, avec ça, on ne mangera même pas la moitié chacun. Donc, allez, bonne soirée. À bientôt.